Welcome back to the Montreux Jazz Club. Wait. I don't deserve it. They deserve it. Keep your energy. Notre invité suivant est probablement l'un des meilleurs batteurs du monde, peut-être même de la galaxie. Il a collaboré avec tellement de musiciens, sur tellement de styles, dans tellement de continents, sur tellement de hits, que je pense sincèrement qu'au moins la moitié de l'humanité a déjà entendu le son de sa batterie. Sincèrement. He's the concentrate of music and culture. Auteur, compositeur, interprète, fantastique musicien. Would you please welcome Manu Katché. Manu Katché.
Thank you.
Thank you.
Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Un plaisir d'être ici à nouveau. Il y a quelques années, il n'y a pas tant que ça, on était avec d'autres musiciens et c'est vraiment une chouette salle ici pour faire de la musique comme on en fait. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous écouter ce soir parce que je sais qu'il y a beaucoup de propositions ici à Montreux. Je pense que c'est le 50e anniversaire, donc c'est quand même un moment important. Je pense qu'on peut juste applaudir le créateur de ce festival qui nous a quittés malheureusement il y a quelques années. Et là où il est, je pense qu'il va nous entendre parce que s'il n'avait pas créé cet endroit ici qui est juste magnifique pour tous les musiciens et pour tout le public, vous ne seriez pas là et on ne serait pas là non plus. Alors, dans la série Applaudissements, je vais vous présenter des musiciens immenses qui m'accompagnent. J'ai la chance de jouer avec eux depuis un petit moment. Pour ceux qui me suivent, ouais, j'ai fait un nouvel album. Je sais que les albums ne se vendent plus, on s'en fout. On en fait quand même. Ça se télécharge légalement, c'est pas grave. Non plus, l'important, c'est d'en faire, d'exprimer la musique qu'on a à l'intérieur. Pour certains, ça fait plaisir. Toujours, donc, pour ceux qui me suivent, le dernier album s'appelle Unstatic. Il est enregistré notamment avec une contrebassiste norvégienne qui n'a pas pu être là ce soir, car elle joue au North Sea Jazz Festival. Donc je l'ai remplacé avec quelqu'un que j'apprécie énormément, qui joue très très souvent avec nous d'ailleurs. À la contrebasse, j'ai nommé Jérôme Regard. Lui, il vient de pas très très loin de Naples. Je pense que je l'ai déjà dit, j'ai déjà cité souvent. Mais je l'ai rencontré il y a 5 ans et on ne se quitte plus musicalement, bien entendu. En plus, il vient de se marier il y a une semaine, d'ailleurs. Donc, félicitations. Mais à la trompette, Luca Aquino. Vous savez, dans un groupe, il faut toujours quelqu'un qui se charge un petit peu des partitions, des structures. On fait ci, on fait comme ça. Non, on faisait comme ça, tel concert, etc. Alors moi, j'ai tendance un peu à oublier et de toute façon à ne pas tout savoir. En revanche, j'ai une mémoire vive ici, proche de moi, qui est extrêmement importante. Et il s'occupe notamment aussi du piano acoustique et des claviers. J'ai nommé Jim James Watson. Alors finalement, les Norvégiens sont manquants. J'avais aussi un saxophoniste norvégien. Là, lui, il est malade, il est à l'hosto, mais ça va mieux, je vous rassure. Tout va bien, on s'est renseigné. Et vous savez, dans le jazz, je pense que vous connaissez le principe, il y a toujours des remplaçants. Parce que comme c'est un métier difficile, on ne gagne pas forcément très très bien sa vie. Il y a certaines personnes qui disent que oui, mais je peux vous certifier que non. Et donc, il faut faire beaucoup ce qu'on appelle de gigs, de concerts avec des gens, des collaborations, pour que ça tourne. Donc on a toujours un remplaçant parce qu'effectivement parfois on a des dates qui tombent et on va dire entre guillemets le titulaire n'est pas disponible parce qu'il fait autre chose ou lui a un concert avec son groupe ou avec un autre groupe, donc c'est compliqué. Donc il y a toujours une personne qui peut être là au cas où, et là c'est le cas avec cette personne là ce soir que je vais vous présenter, qui est très très souvent d'ailleurs avec nous parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de concerts en période estivale. Et c'est le Benjamin de la bande, excellentissime, italien aussi également, au saxophone, monsieur Raffaele Casarano. Merci beaucoup. Et tout derrière, là au fond, vous ne le voyez pas, c'est dans le noir, le plus complet, notre ingénieur du son, Thibaut Joly. Donc encore une fois, merci énormément d'avoir pris le temps de venir nous écouter. Jusqu'à présent, on a fait, à part un ancien morceau, le reste sont des nouveaux titres de l'album que je vous ai cité, Unstatic, et nous allons continuer avec des nouveaux morceaux. Merci beaucoup. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Merci. Jérôme Regard, contrebasse. Raffaele Casarano, saxophone. Luca Aquino, trompette. Jim James Watson, clavier et piano acoustique. Merci beaucoup.
saxophone Raffaele Casarano. Trompette Luca Aquino. Clavier Jim James Watson. Merci beaucoup à vous toutes et tous. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Merci. Alors, grâce à vous, on en a passé une excellente. Merci beaucoup. Alors, on va faire quelque chose à Montreux. Je pense que ça s'est déjà fait. Mais on va le faire ensemble parce que je pense que c'est un bon moment pour le faire et pour partager ce dernier moment de musique. Alors, c'est super simple. On va chanter ensemble. Vous avez remarqué que quand on va dans un concert de rock, il y a toujours un moment donné où ça chante. Mais quand on va dans un concert de jazz instrumental, c'est plus rare. On va déroger à la règle. Alors, le petit gimmick que vous entendez derrière depuis tout à l'heure, on va chanter ça ensemble. Même moi, je peux le chanter, imaginez. Los Angeles, Boston, New York, Paris, Tokyo, Montreux.